Moi, ce qui m'intéressait dans le projet, c'est de faire de Marseille le personnage principal. C'est une ville qui est très complexe et très mystérieuse. Marseille, c'est une ville qui n'a pas de limites. C'est une ville passionnelle, faite d'amour, de haine. Les personnages sont liés à cette ville, incarnent cette ville et sont là à travers l'énergie de cette ville. Le Marseille d'en haut et tu as le Marseille d'en bas. Tu as le Marseille du milieu aussi. Et c'est l'histoire d'un maire qui décide de donner la main à son premier adjoint. On va se rendre compte que ce premier adjoint va le trahir. Et puis, il y a plein de personnages satellites aussi, dont la fille du maire, par exemple, qui est journaliste, qui va découvrir des choses aussi. Et c'est toutes ces couches qui interagissent les unes avec les autres à travers des personnages. Je suis né à Félix Pillat, moi, d'accord? Si je gagne le SMIC dans 30 ans, j'y suis encore, moi. Mais ça, tu peux pas le comprendre, toi. Parce que t'es né qu'une cuillère d'argent dans la bouche. Et t'es qu'une sale petite bourgeoise. Il y a deux univers différents. Il y a la mairie, il y a tout ce milieu-là, et puis il y a tout le côté quartier nord de Marseille. L'histoire entre Céline et Julia, c'est pas une histoire d'amour à proprement parler comme un Roméo et Juliette, c'est une histoire d'attirance, en fait, physique. Dis-moi d'où tu viens, qu'est-ce que tu manges au goûter, ton film préféré. C'est tout un triangle amoureux entre Julia, Eric et Céline. Elle tombe sur le charme de Céline, mais Céline était lui-même ami avec Eric. Depuis quand tu votes, toi? Depuis que je suis avec la fille du maire. C'est un gars qui vient d'un milieu difficile, qui vit dans un milieu difficile, qui est torturé entre ses potes, là où il vit, la famille et la nana qu'il aime, quoi. Ça y est, on a réglé nos comptes, on peut se checker maintenant. Farid, c'est le grand de la cité Félix Pierre. Quand t'habites chez nous à la cité, tu signes un contrat, t'entends? En même temps, il travaille pour Cosini. Moi, je m'occupe du sale boulot. Y a pas d'intermédiaire entre toi et moi. Je suis trop exposé, tu vois? Donc soit je te bute, soit je te tiens. Marseille est mon domaine, on gère différents quartiers de la ville. Le côté un peu requin du personnage, c'est les trafics et les bars clandestins, les jeux. Je suis un mécène pour certains, un entrepreneur pour d'autres. Je suis aussi très proche de Barès. Nous, on n'en veut pas du casino, c'est pour ça qu'on teste aller à la mairie. Et toi, tu voudrais qu'on joue en douceur? Moi, ce que je veux, c'est tarot. Chaque fois qu'il se passe quelque chose dans la série, on va découvrir que la ville le ressent. Le personnage principal de cette série, c'est Marseille. C'est une femme d'ailleurs pour moi, que tout le monde désire, tout le monde veut et tout le monde s'arrache. Je vais t'arracher Marseille des mains.